Bonjour et bienvenue, je m'appelle Odile Castagnier, je suis la propriétaire du château-hôtel Le Salet sur la commune de Saint-Quesmos. J'ai le plaisir de vous présenter l'ancienne résidence d'été des Ducs de Nevers et également la propriété de la famille Clémenceau. Depuis 2009, nous sommes les heureux propriétaires de ce château et l'avons transformé en un hôtel de charme avec un engagement fort autour du développement durable puisque nous avons concouru auprès du Conseil régional de Bourgogne sur un projet tourisme responsable en Bourgogne. Nous avons des équidés qui s'occupent de la tonte, des abeilles sur le site. Aujourd'hui, le château-hôtel, il est composé de 16 chambres qui retrace chacune d'entre elles les styles des arts décoratifs, passant tour à tour de la Renaissance à l'époque baroque, Napoléon III ou également Louis XIV. Depuis 2013, nous avons également ouvert un restaurant en lien avec notre engagement autour du développement durable et nous proposons un menu découverte-dégustation mettant en avant principalement les producteurs locaux. Nous disposons également de salons au sein du château Le Salé, qui peuvent accueillir notamment des réceptions de mariage, des baptêmes, mais également des réunions d'entreprise, des soirées clients. C'est un lieu magique, à simplement 8 minutes de Nevers, à découvrir sans modération. Lors de votre séjour au château Le Salé, vous pourrez bien évidemment farnienter bord de piscine, mais vous pourrez également découvrir des choses extraordinaires dans notre région. Et notamment le village d'Apremont-sur-Allier, qui fait partie des 100 plus beaux villages de France, et son magnifique parc floral. Pour également partir directement du château et découvrir le pont Guétin, qui est un pont suspendu pour bateaux. Vous aurez également peut-être envie de découvrir la Loire en canoë, et là, avec le concours des guides de Loire, vous passerez une magnifique journée. Enfin, si vous êtes amateur de vin, bien c'est avec grand plaisir que nous vous ferons déguster des vins directement au château.